que les atomes sont formés d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel gravitent à une vitesse vertigineuse les électrons. Le tout mesure moins de 10 millions de millimètres. Le nombre d'électrons détermine la nature du corps. Un électron, c'est l'hydrogène. Deux électrons, c'est l'hélium. Trois, le lithium. Le nombre d'électrons va sans cesse croissant pour aboutir après le cuivre et le plomb à l'uranium 235, qui compte 143 neutrons et 83 protons. L'un des rares corps de se désintégrer par la réaction en chaîne de la réaction en chaîne de la physique nucléaire. L'Agence atomique internationale. Parfois, il est vrai, on croise aussi dans les rues un obstiné cortège. C'est sa mémoire qu'Hiroshima a jeté dehors et qui rôde comme une mémoire en peine. Elle dit aux passants qu'il n'est pas temps encore d'oublier, pas temps de dormir, mais qu'il entend dans cette foule. À Hiroshima comme ailleurs, les souvenirs finissent en catastrophe. Et si vous passez un jour par le parc de la paix, n'oubliez pas de vous faire photographier à l'endroit exact où voici 15 ans, une certaine bombe a éclaté. Donc, il s'est fait des explosions de la centrale de Fukushima. Ça ne vous fait pas des souvenirs. Ça ne vous fait pas des souvenirs. Ça ne vous fait pas des souvenirs. Vous avez les amoureux d'Hiroshima ont peur de l'amour. Ça ne vous fait pas des souvenirs. Pensez-vous que ça ne serait pas des conséquences désastreuses pour nous? Je ne pense pas absolument pas, non, non. Pensez pas que cette pluie qui tombe ait un rapport direct non, avec non, la... Non, 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 les conditions météorologiques et puis la bombe atomique sont, à mon avis, absolument séparées. En faisant exploser en 1957 une bombe H, l'Angleterre, c'est comme le troisième producteur le plus terrifiant danger du monde. Aujourd'hui, à Harwell, les savants britanniques sont sur le point de mettre cette énergie au service de l'homme. L'appareil qui a permis la domestication de l'énergie H, ça n'a pas fait ça. À l'intérieur de ce gros tube annulaire, se réalise la fusion de noyaux d'hydrogène sous l'effet d'une décharge de 200 000 ampères qui provoque une température à jusqu'à 1 centrale qui
travailler sans produire le plutonium nécessaire. Les amoureux d'Hiroshima ont peur de la mort. Notre pays a peur après ce coup. On est désormais dans un cycle infernal. C'est une réponse à cette angoisse que nous sommes allés demander au général Gallois, qui pendant plusieurs années a joué un rôle éminent au chef et que l'on a baptisé le père de la bombe. Les amoureux d'Hiroshima ont peur de la mort. Ça ne fera des souvenirs. Ça ne fera des souvenirs. L'agence atomique internationale de Vienne, le cœur du réacteur commençait par fondre. L'agence atomique internationale de Vienne. Je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire, en général, que la France possède sa propre loi. Le phénomène est utilisé dans les pays asiatiques, comme par exemple les Américains françaises, les travaux de Jolie Hormides et collaborateurs. L'agence atomique internationale de Vienne. Un des neutrons libérés vient frapper un noyau d'uranium qui se casse en deux parties. Un ou deux neutrons alors libérés vont frapper un autre noyau, et ainsi de suite. La fission des atomes est consommée, chaque rupture libérant une nouvelle somme d'énergie. La pile contient des cartouches d'uranium destinées à subir la réaction en chaîne. Pour la freiner, on introduit dans la pile des barres de cadmium, car la réaction en chaîne, quand elle n'est pas freinée, revêt une forme terriblement explosive. Tant que le volume d'uranium est suffisamment petit, la plupart des neutrons émis sortent et ne trouvent plus d'uranium à désintégrer. Mais si deux volumes d'uranium inoffensifs sont précipités l'un contre l'autre, tous les neutrons font mousse, la réaction s'emballe et c'est tout fini. Une centrale nucléaire semblable à celle-ci, orgueil de la technologie soviétique. 4 fois 1000 mégawatts, inaugurée il y a 2 ans seulement et présentée comme un modèle de sécurité. Samedi après-midi, dans une salle de commande identique à celle-là, il n'aura fallu probablement que quelques heures aux techniciens soviétiques pour comprendre que l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl est un modèle de temps le plus grave qui puisse se produire dans une installation nucléaire. Le cœur du réacteur commençait à fondre, le cœur du réacteur commençait à fondre, le cœur du réacteur commençait à fondre, échappant à tout contrôle. A dévoilé le spectacle des centrales de l'agence atomique internationale de Vienne. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF-1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF-2. Les premiers kilowatts d'électricité sortis de l'EDF partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là, le plateau qui commencera à prendre la relève de plan marin et de l'environnement de Une installation différente des centrales françaises, puisqu'ici, il ne résiste pas dans 5 ans de temps. La règle est composée de barres d'uranium, enclumées dans des blocs de graphite et de Mais on n'a pas encore réussi à comprendre les réacteurs. Le risque d'explosion
300 tonnes d'eau se volatilisent alors. Il est impossible de dire à sa terre comment la catastrophe a évolué ensuite, mais selon l'agence américaine nucléaire, le dégagement gazeux aurait fait 80 employés de la centrale, puis le nuage échappé du bâtiment contaminant la population avoisinante. Selon certains témoignages recueillis par l'agence UPI, 2000 personnes seraient mortes pendant leur transport à l'hôpital. Les amoureux d'Hiroshima ont selon ces touristes finlandais en voyage à Kiev, tous les autobus de cette ville ont été réquisitionnés pour évacuer les 20 000 habitants de la zone sinistrée. Ce soir, le cœur du réacteur brûle toujours. Et les Soviétiques ont demandé l'aide technique des Suédois et des Allemands pour éteindre l'incendie. La catastrophe n'est donc pas encore terminée. L'Agence atomique internationale de Vienne, chargée de contrôler la sûreté nucléaire dans le champ de l'URSS, a servi pour le président. L'URSS n'a jamais laissé pénétrer la centrale de Tchernobyl, mais aucune centrale qui travaillait pour produire le plutonium nécessaire aux militaires soviétiques. Voilà, j'ai enregistré la caméra. Une fumée lumineuse s'élève à 13 km de hauteur. Les gens ont peur de la mort. L'Agence atomique internationale de Vienne. L'agence atomique internationale de Vienne. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Une centrale qui travaillait pour produire le plutonium nécessaire aux militaires Les amoureux d'Hiroshima ont peur de la mort. L'agence atomique internationale de Vienne. L'agence atomique internationale de Vienne. L'agence atomique internationale de Vienne, que l'on a fait face à la centrale de Tchernobyl, qu'on a venu provoquer la chute en La contamination à des centaines de kilomètres de là. Mais, les amoureux d'Hiroshima ont peur de la radioactivité est telle que...
personne radioactif ne peut plus approcher le réacteur de radioprotection. Ça vous fera des souvenirs. Mais on n'a pas encore réussi à refroidir ce réacteur. C'est le réacteur de la centrale nucléaire de Daiichi. Les amoureux d'Hiroshima ont peur de l'amour. Les soviétiques qui ne savent pas comment éteindre le feu en sont réduits à le bombarder avec une sable mouillée larguée par hélicoptère. Mais est-il encore possible d'arrêter l'enchaînement de la catastrophe à l'intérieur de cette centrale qui était située à proximité d'un groupe d'habitation? C'est sa mémoire qu'Hiroshima a jeté dehors et qui rôde comme une mémoire en peine. À des centaines de kilomètres au-delà. Ça ne fera des souvenirs. C'est une grosse affaire qui vient d'être découverte au Japon. Une affaire qui date du mois dernier, très exactement du 8 mars. Où, à la suite d'une erreur de manœuvre, une cinquantaine de techniciens ouvriers de la centrale nucléaire de Suruga, dans l'ouest du Japon, ont été exposés à des radiations. Les autorités elles-mêmes reconnaissent que c'est le plus grave accident de l'histoire du nucléaire au Japon. Et il a fallu que l'on découvre le plancton de baie proche de la centrale contenait des traces de cobalt et d'autres matières radioactives à des taux 10 fois plus élevés que la normale pour que tout soit révélé, ce qui rend furieux les Japonais. Dissimulé pendant plus de 40 jours. 56 ouvriers contaminés. Des pêcheurs, des consommateurs. Eh bien, tout cela a donné lieu aujourd'hui à des attaques très vives du gouvernement à la Nièvre. Et je viens d'apprendre que cette centrale, il y a déjà56 employés de la centrale se trouvent contaminés, tentant de nettoyer le lieu avec des seaux et des toiles à laver. Plus grave encore, la majeure partie du liquide tombe dans un collecteur d'égouts de la ville voisine et gagne la mer du Japon. C'est là qu'une équipe d'experts mesure une forte radioactivité le long du littoral, mais dans les bosses. C'est alors seulement ce qu'on a fait après la guerre. Pendant 42 jours, responsable de la centrale de L'accident intervenu hier soir dans une centrale nucléaire américaine en Pennsylvanie semble être finalement plus grave qu'on l'avait pensé sur le plan technique, tout au moins. Très peur. La vapeur radioactive projetée au moment de l'incident s'est répandue sur plus de 25 km aux alentours. Cet incident technique, qui n'est pas le premier survenu à cette centrale, s'est, semble-t-il, doublé d'une erreur humaine. Le système de refroidissement de l'eau est arrêté. À l'heure actuelle, la vapeur légèrement radioactive est juste échappée de l'individu. Les automatismes d'arrêt auraient fonctionné. C'est sa mémoire qu'Hiroshima a jeté dehors et qui rôde comme une mémoire en paix. La seule chose que l'on sache, c'est que les installations ont fonctionné correctement dans le sens où elles sont à l'arrêt. Et il n'y a pas de...
physique radioactive. À l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de Fontenay-aux-Roses, l'évolution de la situation. Les amoureux d'Hiroshima ont peur de l'amour. Hiroshima, les amoureux d'Hiroshima ont peur de l'amour. Par ailleurs, bon, les nouvelles évoluent. Par ailleurs, il apparaît que l'Agence atomique internationale de Vienne, c'est l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl, venu provoquer des guerres du Rhin. L'Agence atomique internationale de Vienne, refroidissement très important vers l'une des centrales nucléaires du Japon. Les amoureux d'Hiroshima ont peur de l'amour, pas des souvenirs. Ils redoutent que l'éclair les affaires du foyer, les déposés d'abord dans la corbeille de l'eau sur le une centrale qui travaillait pour produire du plutonium nécessaire aux militaires. Voici les images de la visite du président américain que nous venons de recevoir. Avant de lancer à la population un appel au calme, le chef de la Maison Blanche est resté environ deux heures dans la salle de contrôle de la centrale nucléaire de Three Mile Island. Mais la visite du président Carter ne semble pas avoir rassuré la majorité des habitants vivant autour de la centrale. Il est vrai que le président américain avait peu d'éléments susceptibles d'apaiser la population qui s'attend à être évacuée dans le prochain jour. Les amoureux d'Hiroshima ont peur de l'amour. Je suis en train de lire en cet instant sur vos visages l'ombre de ce qui passe derrière votre front. Une centrale qui travaillait pour Hiroshima peut être à des milliers de kilomètres. Ici, la catastrophe japonaise est dans toutes les têtes. C'est là que tout a commencé. Le 11 mars dernier, un vidéaste amateur filme l'arrivée du tsunami. Et derrière la colline, la centrale de Fukushima subit de plein fouet l'assaut des vagues géantes. Si l'arrivée est une catastrophe à Fessenheim, il faut en imaginer les conséquences. Il faudrait évacuer Colmar, Mulhouse, Fribourg en Bisco. Ces images ont été tournées il y a une semaine durant les manifestations de la Mouchine. Les interdictions pour se rendre vers la centrale. Sur le tableau de bord, ils ont posé deux compteurs majeurs dont l'alarme s'est déclenchée. Des rares humains croisés sur leur chemin portent des masques et des combinaisons. Il faut se rendre compte que Fessenheim a 34 ans d'exploitation et qu'à partir de il y aura 21 réacteurs en France qui auront plus de 30 ans. L'Agence atomique internationale de Vienne est l'un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl. L'Agence atomique internationale de Vienne un peu plus loin, ils sont arrêtés par un trou. Aujourd'hui, nous sommes interdits. Les autorités ont bouclé tout le secteur. Un périmètre d'exclusion de 20 km. Plus on approche du rivage, plus les destructions sont importantes. Le paysage n'est que calme. Une centrale qui travaillait pour produire du plutonium nécessaire aux militaires.
Un nuage de fumée s'échappant du réacteur numéro 3, ces images qui nous sont parvenues cette nuit ajoutent encore un nouvel incident à la longue liste de fuites et explosions de la centrale de Fukushima. On ignore pour l'instant de quoi est constituée cette fumée, peut-être de la vapeur d'eau, ce qui supposerait que la piscine de refroidissement du réacteur s'est évaporée. Dans le même temps, on apprenait que le réacteur numéro 4 était lui la proie d'un incendie. L'agence atomique internationale de Vienne, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devait succomber par la suite. L'agence atomique de ce jour-là, le monde a pris que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes. Aujourd'hui, la vie s'est réinstallée dans Hiroshima reconstruite. Mais les traces de l'effroyable explosion restent marquées dans la chair des 4000 personnes qui sont encore en observation. Et le nom d'Hiroshima demeure un avertissement à la conscience des hommes. Une centrale qui a travaillé pour produire du plutonium nécessaire aux militaires soviétiques. Une centrale qui a travaillé pour produire du plutonium nécessaire aux militaires soviétiques.